Cette équipe, on le sait, elle montera la saison prochaine, mais elle peut encore aller chercher le titre. Oui, Hervé, pour cela, il faut faire au moins un match nul dans cette rencontre. Vraiment, c'est assez simple. Et enfin, c'est Andrei Markinov qui a été désigné pour diriger la rencontre. Alors, tout le monde ne parle que de ce match depuis des jours. Ça y est, on y est. Grosse affiche, grosse ambiance dans les tribunes. Les joueurs ont le visage fermé, ils sont très concentrés. C'est un grand rendez-vous. Voici la composition du Bayern de Munich aujourd'hui. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. Ribéry, attention, il a du champ devant lui. Franck Ribéry, sans danger pour le gardien qui accompagne ce ballon du regard. Marcelo. Rodriguez. Ramos Rodriguez, peut-être. Ouais, faute, estime l'arbitre. Non, ça c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ah bah de cette distance, il faut avoir une sacrée confiance en soi pour espérer quelque chose. Ou être fou. Ouais, ou être dingue, ouais. Marcelo. Et ça repasse par James Rodriguez. Toni Kroos. Un mal défendu. Ah, c'est pas normal de se faire avoir comme ça. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Thomas Müller. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Rodriguez avec un tir. Ah non, un chouïa trop tôt. Et l'arbitre assistant l'a bien vu, il y avait hors-jeu. Le Real Madrid. L'arbitre présent d'entrée de jeu. Palmarès exceptionnel. Pour cette équipe du Real et ce maillot blanc immaculé que vous aimiez tant. C'est surtout une salle de trophées que j'aime tant. Coupe de champion, 11 Ligue des champions, champion du monde des clubs. Un club phénoménal. Ouais, Ribéry qui va peut-être pouvoir déborder. Il a vu son partenaire qui lui demande le ballon. Il tacle. Toni Kroos. Benzema. Ribéry. On s'approche de la zone de vérité. Ah ouais, bien donné en profondeur. Rodriguez. Oh, il peut s'en vouloir d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire là. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Cristiano. Benzema. Boateng qui s'empare du ballon. Thomas Müller. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, excellente interception, bien joué. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Benzema. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. On s'approche du but. On fait tout. Lewandowski, la frappe. Oh non, c'est pas cadré, mais il s'en est fallu de peu. Rodriguez. James Rodriguez, j'aime bien qu'on l'appelle juste Rames.
et qu'il faut surtout prononcer James, hein, c'est pas James. Hein. Modric. Oh, la bonne détente de Neuer. Corner en faveur du Real Madrid. Gareth Bale. Un bon ballon d'attaque. Une bonne maîtrise hein, sur ce tacle. Touche à suivre. Arturo Vidal. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Thomas Müller qui n'est pas seul. Le tir. Oh l'arrêt. Oh quel plongeon superbe. Le ballon qui sort en corner pour le Bayern. James Rodriguez. Rodriguez. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Allez, l'occasion de passer devant. Et l'arrêt du gardien. Ouais, bon arrêt du gardien sur cette action. Toni Kroos. Benzema. Oh, que c'est mal défendu, c'est pas bien défendu. Il n'a rien lâché hein, sur cette action, il s'est battu jusqu'au bout. Thiago Alcantara. La passe en profondeur. Ils construisent, ils font tourner. Ouais, bonne séquence. Elle, la voilà la frappe. Relié. Ce but encaissé qui les prive pour le moment du titre. Ouais, Hervé, mais le match n'est pas terminé et puis la saison non plus. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Rodriguez. Modric. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Modric. Modric. Il paye pas de mine, hein. Il ressemble pas à grand chose, mais c'est vraiment un joueur exceptionnel. Pas très grand, 1m74, il n'est pas super beau gosse, mais alors quand il a le ballon dans les pieds, c'est un régal. Fin du temps réglementaire, on est rentré dans le temps additionnel qui sera de 4 minutes. La longue transversale vers un partenaire. Et bien l'intervention, changement de possession. Ouais, mauvaise passe de Müller. Ça circule bien, ils essaient d'étirer ce bloc. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien. Et voilà, déjà. Allez, change. Il sort après avoir rendu une copie bien pâle. Oui, ça me paraît logique. Il va falloir mettre les bouchées doubles à l'entraînement. Ça part bien, action dangereuse. Douglas Costa. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Et l'attaque va s'arrêter là. Real Madrid qui obtient un coup franc. C'est dans le mur. Les joueurs de Real Madrid qui obtiennent donc un corner. Isco, ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Casemiro, peut-être l'égalisation. Ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Ouais, c'est sifflé, coup franc pour le Bayern Munich. Isco, le Real Madrid, ouais, le bon ballon de contre. Benzema,
Ah, et Benzema qui s'en veut. Il avait l'égalisation là, au bout du pied, il le sait. Cristiano Ronaldo. Karim Benzema. Et Jérôme Boateng qui vient le déposséder du ballon et sans faire faute. Hein. Lewandowski. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Casemiro. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Marcelo. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Allez, le Bayern qui part à l'assaut du but adverse. Thomas Müller. Oh, le but, oui! Ah, ça aurait pu être le match du titre, mais cette rencontre vire au cauchemar. J'en avais besoin d'un point pour être sacré aujourd'hui, mais avec ce but encaissé, il va falloir se montrer patient. Trainer qui sort son joueur. Il n'a pas vraiment le choix, il se rend bien compte qu'il est en difficulté dans ce match et ça pèse sur le rendement de l'équipe. Allez, qui va reprendre ce ballon? Franck Ribéry. Marco Asensio. Attention, ça peut être dangereux. Cristiano Ronaldo! Et le but, que c'est beau! Et regardez comment il a mis ce ballon dans la lucarne. Moi, je vous dis qu'il n'est pas joué ce match. Ah, t'as raison, Hervé. Il ne baisse pas les bras. Bien au contraire, il montre en bien. Ils seront là jusqu'au bout. Il mène à la marque désormais de buts à 1. Douglas Costa. Le Bayern de Munich à l'attaque. Ouais, bonne intervention. Ballon en touche. Kimmich. Ils attendent une ouverture dans la défense. Cherche un partenaire en profondeur. Franck Ribéry. Non, non, cette frappe qui passe largement au-dessus. Modric. Casemiro. Cristiano Ronaldo. On s'approche du but. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Étonnante, hein, ces statistiques qui confirment nos impressions dans ce match. Bon, on a une équipe qui tente moins que son adversaire, mais qui pourtant mène au score. Bale. Attention, il a du champ devant lui. Marco Asensio. Isco. Et il a profité d'une erreur de marquage. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur. Allez, il peut égaliser, là. Casemiro. Ça sort, ce sera pour les Bavarois. Thiago Alcantara. C'est Douglas Costa qui est alerté sur l'aile. Modric. Cristiano Ronaldo. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Et ça circule sans problème. Bonne conservation. Le match qui touche bientôt à sa fin. Les joueurs. Oh, le grand danger. Oh, il y est. Oh, le but qui fait du bien. Du bien en moral surtout. S'ils tiennent ce score de parité aussi, ils font mieux. Bah, ils accéderont à l'échelon supérieur. Et c'est son deuxième but personnel dans ce match. Est-ce qu'il va faire un triplé?
Ils n'ont rien lâché, hein. Ils viennent d'égaliser. Qui sait ce qu'ils peuvent faire maintenant? Isco. Avantage pour le Real Madrid, ça joue. Ouais, tout le monde participe à cette séquence de passes. Interception sur cette passe de Marcelo. Lewandowski. Ouais, bonne lecture. Il intercepte ce ballon. Heureusement, parce qu'elle était dangereuse, cette attaque. Le Real Madrid qui s'approche du but. Cristiano Ronaldo. Oh, la bonne détente de Neuer. Et encore un erreur important parce qu'il permet à son équipe de rester encore dans le match. Oh, que c'est mal défendu. C'est pas bien défendu. Et l'attaque va s'arrêter là. Müller. David Alaba. Isco. 3 minutes de temps additionnel au minimum. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Ouais, bonne interception, Thomas Müller. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Les joueurs du... Et voilà, c'est terminé à l'instant même. Un très beau match hein, qui s'achève sur ce score de 2 partout. Alors, ils vont pouvoir brandir le trophée dans quelques minutes. Ils arrivent 1-1 dans le rond central où a été installé une sorte de podium. Parfois c'est dans les tribunes et parfois c'est au milieu du terrain comme ça. Au moins on voit mieux là. Ça dépend des stades. On sent que les joueurs sont quand même assez calmes hein, pour une remise de trophée. Bah c'est pas non plus la Coupe du Monde. Hein. C'est vrai. Alors ils vont pouvoir malgré tout fêter ça avec leurs supporters. Ça reste une ligne au palmarès hein, et on sent que les supporters sont quand même contents hein, de cette victoire, de ce titre. Ils sont tous ensemble. Il y a aussi un moment de communion collective hein, quand même. Hein. Ouais, mais enfin, ils ne se le racontent pas quand même. Hein. Ouais. Ça reste très très mesuré tout ça. Allez, il va y avoir la photo souvenir, Pierre. Voilà. Il faut être bien placé sur la photo là, si possible. Voilà, alors ceux qui n'ont pas de goût, tu la retrouveras dans le salon. Ceux qui ont de la dérision, tu la retrouveras dans les toilettes. Et moi, je pensais sur la photo, ceux qui est derrière, on ne le verra pas. Ouais. James Rodriguez, qui aime bien qu'on l'appelle juste Rames. Modric, oh, la bonne détente de Neuer. Le tir. Oh l'arrêt, ok, plongeon superbe. Ils construisent, ils font tourner. Ouais, bonne séquence collée. Elle, la voilà la frappe. Allez, le Bayern qui part à l'assaut du but adverse. Thomas Müller. Attention, ça peut être dangereux. Cristiano Ronaldo. Et ça circule. Le match qui touche bientôt à sa fin. Les joueurs... Oh, le grand danger!